Faudrait qu'on se trouve un item qui serait un peu la mascotte. J'ai pensé à ça. Ouais, non, ça. On n'a pas grand-chose, hein. Enfin, c'est déjà pas mal, encore une fois, mais comparé à ce que j'avais avant, c'est pas grand-chose, ouais. Ok les gars, si vous êtes intéressés par des crédits ou des items bon marché sur Rocket League, n'hésitez pas à aller sur awea.com qui est le sponsor de la chaîne. Avec le code RADA, tu peux bénéficier de 6% de réduction sur tes achats. Aussi, tu seras livré en quelques minutes. Si t'es intéressé, tout se passe en description. Du coup les gars, on est parti pour une nouvelle vidéo trade, alors je compte sur vous pour mettre le petit like pour les 500 likes, comme d'habitude, je compte vraiment sur vous pour vous abonner, il y a 15 à 20% des gens qui regardent mes vidéos qui sont abonnés, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà bien, mais je compte vraiment sur vous pour vous abonner, et je compte sur vous pour mettre le code créateur, ah d'accord, le code créateur qui met tout le monde d'accord, et aussi sur mon Discord. Il doit avoir un concours en ce moment quand vous regardez la vidéo, et aussi c'est là où je fais tous mes trades, alors venez trade avec moi. Dans cette vidéo, je me suis fait arnaquer, le problème est réglé, mais on va essayer de récupérer tous les items, tous les crédits que j'ai perdus. Enfin, on va essayer de faire du bénéfice, quoi. Mais bon, pour faire du bénéfice, j'avoue, la sortie de la Nissan Skyline, ça n'arrange pas la chose du tout. Tous les prix sont ultra bas. C'est devenu n'importe quoi le trade, mais on va faire de notre mieux. Alors, je vous dis bon visionnage à tous. Et on trade avec Evan, standard noir c'est 1800 crédits, ordinateur central c'est 1200 crédits, et ensuite j'ai mis 2 NCE pour arriver à 1600 crédits. Et on trade avec un abonné, on lui achète son standard orange pour 150 crédits. Bon, je mets ce trade parce qu'il y a le drapeau à damier, mais à partir de maintenant je vais arrêter de mettre les dons de Rocket Pass dans la vidéo parce que ça prend beaucoup trop de temps dans la vidéo. Mais merci beaucoup à toi. Et si vous me donnez le Rocket Pass, bien sûr, je prends. Mais je mettrai juste pas dans la vidéo. Et on vend Auréole pour 190 crédits. Je crois que ça vaut minimum 150. Et là, on va faire une très bonne affaire. On achète Perle et un NCVR et un NCI pour seulement 100 crédits. Perle nous disait déjà, on peut revendre 150 à 200 crédits. C'est que du bonus. Et là, on vend sur la vague pour 200 crédits. Il vaut minimum 200 crédits. Là, on échange les zombies grises qui valent 350 contre Atomizer qui vaut 200 et 200 crédits. Ça fait 400. On échange l'Ando qui vaut minimum 70 crédits contre Anodizet qui vaut 100 crédits. Et on vend standard pourpre pour 750 crédits. Il vaut minimum 650 crédits. Le prix est en train de chuter. Je préfère m'en séparer tout de suite. Et on avait acheté Exalté pour une vidéo où je possède tous les marchés noirs pour 1700 crédits. Et là, on la revend pour environ 1800 crédits. En vrai, on a eu beaucoup de chance de faire du bénéfice avec ça. Et voilà le stuff de ouf qu'il a. Et ça, c'est un anglais, un stuff de ouf. Il a les Apex, tout simplement, en blanc titane. Et les Apex blanc titane, c'est plus regardez de tout 500 ce qu'il a, euros. Il a toute la collection des Zombas et aussi des Octane, je pense. Mais les uns plusieurs fois. Mais what? Octane gris. Oh, heureusement que c'est pas des blancs titanes. Et là, je crois qu'il essaye de me ridiculiser. Il me montre ses 34 splash. Enfin, il m'a dit qu'il en avait 34. Et nous, on va lui montrer combien on en a. Je pense qu'il est vraiment, mais vraiment pas prêt. On en a 5. Il a aussi pas mal d'items RLCS colorés. Et bien évidemment, il a des émeraudes. Je crois qu'il se moque de nous les gars en disant yes baguette, il nous dit fromage. Donc pour tous ceux qui n'ont pas suivi, on va essayer de rattraper nos crédits perdus. On a perdu environ 20 000 à 23 000 crédits. Regardez, on n'a plus de marché noir, enfin presque plus. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça c'est beaucoup. Mais moi j'avais presque toute la collection des marchés noirs. J'avais duel de dragon en 3 fois, enfin... J'avais vraiment tout en plusieurs fois, dissolvant, j'avais ordi central. Et j'ai tout donné, la vidéo est sortie. Il n'y a pas longtemps, alors je vous laisse aller la voir. On n'a pas grand chose, hein. Enfin, c'est déjà pas mal, encore une fois, mais comparé à ce que j'avais avant, c'est pas grand chose, ouais. Mix, je trade souvent avec lui. Il est au courant que je me suis fait arnaquer environ les 200 euros, donc les 23 000 crédits. Et il me donne des petits items, ça fait super plaisir. Il y a du trade-up, il y a du RLCS. Merci beaucoup à toi, Konix.
Et Dark Sentinel qui nous donne standard Terre de Sienne qui vaut 100 à 150 crédits. Et Dark Sentinel qui nous donne standard Terre de Sienne qui vaut 100 à 150 crédits. Et Dark Sentinel qui me donne standard Terre de Sienne qui vaut 100 à 150 crédits. Et le trade marche enfin, encore une fois j'ai eu deux fois le bug, ça a expiré. Même si on s'est fait arnaquer, on donne quand même les items aux gagnants des concours sur Discord. Le lien est en description, il a gagné la Fennec orange. Ah bah je crois qu'il veut pas... Il veut pas la Fennec orange, il est parti. Bon du coup bien sûr, il m'a réinvité directement. Je le comprends. Du coup on lui donne la Fennec orange, il a gagné. Il le mérite. Bien joué à toi, Noah. Et on trade avec Yacine. Nos NCE, c'est 200 crédits unité. Il nous a mis 2 NCVR qui valent 80 crédits. Fennec RLC, c'est environ, allez, on va dire 50 crédits. Lance-flamme, c'est 150 crédits. Et Polyexplosion, c'est 100 crédits. Ça fait environ 380 crédits. Et on vend nos Zombas Cobalt contre les Direwolf Blanc Titan qui valent environ 500 crédits. Et l'autre item exotique, je crois c'est 100 crédits, quelque chose par là. Et nous, nos Zomba Cobalt, c'était environ, je crois, 400 crédits. Et on achète OEM noir pour 900 crédits, ça vaut minimum 1100 crédits. Fulgurix qui me donne à peu près tous les Rocket Pass mélangés. Merci à toi. Et regardez Yukis, ce qui me dit, tu veux faire le jeu de la roulette. Oh là 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 là. Bon allez, on va essayer de l'arnaquer. Bon allez, on lui en met 3. Et du coup, il accepte. On va voir ce qu'il dit. Ce qu'il va nous donner après. Bon allez, on se met prêt du coup. Et il nous le donne et on va lui dire arnaqueur. Et on va partir. Parce que il nous arnaque. C'est ça qui est embêtant. Et Wally nous donne une NCE, 50 crédits. Merci beaucoup à toi. C'est environ, allez, 200, 250 crédits. Merci vraiment à toi Walid. Et Lili qui nous donne 3 NCE, ça fait environ 500 à 600 crédits. Merci beaucoup à toi. Là j'ai un trade up marché noir gratuit grâce à vous les gars. Donc merci aux deux amis qui m'ont fait des petits cadeaux. Et bien sûr on va garder tout ça pour la vidéo trade up. Et Itachi qui nous donne un petit glorifié et un NCVR. Ça fait super plaisir. Glorifié c'est 200 crédits. En ce moment même. En tout cas, merci beaucoup à toi, Itachi. Et Direwolf Blanc Titan, c'est environ 500 crédits. Lance-flamme, c'est 150 crédits minimum. Et les Stern, c'est 1000 crédits. Du coup, on fait un bénéfice de 350 crédits. C'est un truc de fou comment les prix sont en train de chuter. Par exemple, là, j'achète 4 NCE pour seulement 400 crédits. Et avant, je revendais 4 NCE pour environ 800 crédits. Ça a baissé. C'est incroyable. Tout ça à cause de la Nissan. Mais regardez le prix de la Fennec maintenant, c'est 400 crédits. Et encore, ça va peut-être encore baisser. La Fennec Blanc Titane, c'est environ 2000 crédits. Quand ça venait de sortir dans la boutique, c'était encore à 5000, 6000, 7000 crédits. Maintenant, c'est 2000 crédits et la Fennec normale, 400 crédits. Et du coup, on achète une Fennec pour seulement 350 crédits, elle vaut minimum 400 crédits. Il y a tout le monde qui recherche des crédits pour la Nissan Skyline. Alors tout le monde vend ses items. Et là, la Fennec pour 350 crédits. Et Anto, il nous a mis des petits cadeaux du pass. Non, il y a aussi un petit trade-up. Un petit sticker rare. Bah merci beaucoup. Ah bah non, du coup. Et du coup, plus de nouvelles de Anto. On est parti rejoindre quelqu'un d'autre. Et finalement, on retrouve Anto pour la Fennec à 350 crédits, mais il n'y a plus les cadeaux. Mais merci beaucoup à toi, Anto. 55. Bon, on va essayer de la revendre. Et Anto qui nous fait les cadeaux finalement, mais il est incroyable. Il y a un sticker rare. Bah non, je l'ai déjà dit tout à l'heure, ça sert à rien de vous le redire. Et Anto qui a pu s'acheter la Nissan Skyline. Oh là là, il est beaucoup trop fort. En espérant qu'il a mis le code créateur. Ah d'accord, le code créateur qui met... Tout le monde d'accord. Et il vient de me dire sur Discord qu'il avait mis le code créateur. Ah d'accord, mais merci à toi Anto. Et il m'a envoyé la photo, il avait bien 1020 crédits, il a mis le code. Mais il est trop fort.
Et on achète les OEM noirs qui valent 1100 crédits et un petit trade-up pour seulement 900 crédits. On va revendre tout ça. Donc merci beaucoup à toi Noah, ça fait super plaisir. Et les drapeaux à damier, c'est vrai que j'arriverai jamais à m'en passer en fait. Et c'est vrai qu'on commence à en avoir pas mal. 600 blancs titane, 5 pourpres, 5 roses, un safran seulement, 8 verts profonds, un citron vert et un violet. Et Noah qui donne tous les Rocket Pass. Merci. Et en échange 4 NCE, ça fait environ 800 crédits. Finalement, on arrive bien à les vendre pour 200 crédits. Contre bombe à gravité bleu ciel et 150 crédits. En tout, ça fait 850 crédits. Bombe à gravité bleu ciel, c'est 700 crédits. Mais c'est hyper dur à revendre, je pense. Et je savais pas qu'on allait vendre Terre de Sienne aussi haut. Il vaut au minimum 100 crédits. On le vend 170 crédits. Et 3 rares trade-up. Faudrait qu'on se trouve un item qui serait un peu la mascotte. J'ai pensé à ça. Ouais, non, ça. C'est pas. Oh, les petites lunettes. Hop là. Bon, comme vous avez pu voir, ça s'est très bien passé cette série trade. Je pense qu'il y a moyen qu'on récupère tous nos crédits perdus dans pas très longtemps. Peut-être dans 2 semaines, 1 mois. Si vraiment on fait à fond le trade. Du coup les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je compte sur vous pour mettre le petit like, pour vous abonner et regarder cet incroyable gameplay. J'étais AFK et tant pis, je vous laisse parce que de toute façon il n'y a pas beaucoup de gens qui vont voir la fin de la vidéo. Si vous avez vu ce moment-là, pensez à le dire en commentaire. Du coup merci et à très bientôt.